à tous alors dans ce clip je vais m'intéresser à la question des statiques euh, statique est un mot-clé un qualificatif qui a été déjà employé à de nombreuses reprises dès le départ en java notamment puisque dès le départ quand on crée le premier programme java d'exemple Hello World. On crée une méthode statique hein, qui est qualifiée de public statique, void main, etc. Euh, ensuite, on crée d'autres fonctions qualifiées de statiques qui sont utilitaires pour pouvoir explorer les éléments syntaxiques de base du langage Java. Puis ensuite on passe dans le monde des objets. Dans le monde des objets, on crée des champs et des méthodes et sur lesquels on insiste qu'il ne faut pas employer le mot-clé, le qualificatif euh, statique. Donc on va essayer de dire des choses sur ce mot-clé statique et à quoi il sert exactement. Alors justement, hein, la différence c'est que si euh, on demande à ce que dans les objets les champs et les méthodes des objets ne soient pas qualifiés de statiques, c'est parce que si on les qualifie de statiques, ça ne représente plus des méthodes ou des champs qui sont attachés aux objets. Alors à quoi ça peut être attaché si ça n'est pas attaché aux objets Eh bien ça va simplement être attaché aux classes. Pour faire simple ici. Même si en Java, les classes sont elles-mêmes des objets. Mais c'est une question de Java plus avancée de comprendre ce mécanisme-là. Donc, euh, en fait, plus précisément, ce qu'il faut dire, c'est que si quelque chose n'est pas qualifié de statique, alors c'est attaché aux instances de la classe. Et lorsque je définis quelque chose de statique euh, dans une classe, dans la définition d'une classe, alors c'est attaché à la classe elle-même. Alors, quand est-ce qu'on a besoin de ces choses-là Alors, il y a plein d'usages euh, plus ou moins différents, euh, mais euh, les deux usages de base, donc notamment le premier, c'est de répondre à des questions euh, de cet ordre-là. Par exemple, si je m'intéresse à bah, comment sont identifiées les choses dans le monde réel. Alors il y a plein de choses qu'on peut vouloir identifier dans le monde réel. Euh, les châssis de voitures sont identifiés, c'est même gravé dessus, il y a un numéro de série. Les moteurs de voitures sont aussi identifiés, il y a un numéro de série. Beaucoup de pièces fabriquées industriellement sont identifiées via des numéros de série. Mais il n'y a pas que, hein, partout. On retrouve ça. Les êtres humains sont identifiés via un numéro de sécurité sociale, en tout cas dans le système français. Euh, et puis, bah, je sais pas, les animaux sont tatoués, donc ils portent des numéros, etc. Alors, euh, il faut essayer de comprendre comment on peut réaliser ça d'un point de vue informatique et notamment en Java. Bon, on vous explique comment sont fabriqués les. On peut retrouver des informations sur la façon dont sont fabriqués les numéros de série. Donc, euh, l'identification, euh, par exemple, des animaux. Et euh, on vous explique qu'en qu gros, hein, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un fichier national d'identification des carnivores domestiques. Voilà. Donc, comment est-ce que ça marche pour... ben, Il y a un fichier national où va être inscrit, euh, effectivement, euh, tout l'ensemble des, des numéros qui ont été attribués, et puis qui permet notamment d'obtenir euh, probablement un nouveau numéro de, de série. Hein. Si je veux identifier des objets, ben, j'ai quelque part enregistré, euh, euh, j'ai un petit mécanisme hein, qui va me permettre d'obtenir un nouveau numéro qui n'a encore jamais été attribué, et puis bien sûr d'enregistrer ce numéro comme étant attribué. Alors comment est-ce que je vais euh, simuler ça euh, informatiquement ben, Alors je vais le faire de la façon suivante je vais par exemple euh, tenter, euh, tenter euh, de. Euh, de créer des classes pour ça. Donc, euh, je vais me créer une classe, je vais essayer d'identifier des chats. Ok Je vais me créer une classe chat, très bien. Voilà. Et puis, je vais essayer d'identifier des chats. Donc, euh... alors, un chat, bah, ça va être identifié par un numéro de série, donc il va avoir son tatouage. Ok Très bien. Euh... Alors, euh, si j'ai si son tatouage, je vais pouvoir écrire une petite fonction, je vais pouvoir euh, over, oh, pardon, over euh, Je vais essayer de à supposer que j'ai réussi hein, le, à obtenir un numéro de tatouage pour lui. Eh bien je vais surcharger la méthode toString euh, de telle sorte que quand je demande à afficher un chat, je suis le chat euh, et tatouage tatouage, euh, je vais afficher le tatouage, le numéro du tatouage. Voilà, ça c'est l'affichage du chat, très bien. Et puis la question évidemment qui va être à résoudre, ça va être comment est-ce que je vais attribuer ce tatouage. Donc ce que j'aimerais évidemment, c'est que ce soit complètement automatisé. C'est-à-dire à chaque fois que je crée un chat, je veux obtenir un nouveau tatouage. Pour le premier chat, chat numéro 1, pour le deuxième chat numéro 2, chat numéro 3, chat numéro 4, chat numéro 5. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose qui est en dehors de chaque chat lui-même. Il y a le numéro, un nombre qui existe et qui me dit combien, par exemple, il y a de chats actuellement. Alors c'est ça que représentent les champs statiques. Si je crée un champ statique, hein, comment je le qualifie Je rajoute le mot-clé statique. Devant ou après euh, private, ça n'a aucune importance. Je peux écrire private statique ou statique private, ça n'a pas d'importance, comme vous préférez. Euh... Tatouage courant, voilà, je vais l'appeler tatouage courant. Très bien. Alors, quel différentiel entre tatouage et tatouage courant bah, Tatouage, ça, c'est un champ d'instance. C'est un champ d'instance, donc c'est propre à chaque objet. Propre. À chaque instance de la classe. Chaque instance de la classe, chaque chat aura son propre tatouage. Par contre, le tatouage courant, c'est quelque chose qui est global. Hein. C'est un champ de la classe. Il faut peut-être le mettre entre guillemets. Hein. C'est pas vraiment une bonne définition comme ça, mais OK. Un champ de la classe. Ou plutôt, ça, c'est propre à l'ensemble des chats. Ça n'est pas propre à un chat en particulier, c'est propre à l'ensemble des chats. Si je parle d'ensemble et d'éléments, euh, si je prends euh, l'ensemble des bicyclettes, euh, chaque bicyclette a ses propriétés, ses méthodes euh, je peux pédaler, euh, je peux tourner, euh, je, chaque bicyclette a une couleur, euh, un nombre de vitesses, une marque, etc. Mais il euh, y a certaines propriétés des bicyclettes qui ne font pas partie des bicyclettes elles-mêmes, mais de l'ensemble des bicyclettes. Par exemple, le nombre de bicyclettes n'est pas une propriété de chaque bicyclette, c'est une propriété de l'ensemble des bicyclettes. Combien il y a de bicyclettes, c'est une propriété de l'ensemble. Donc là, c'est pareil. Le tatouage courant, c'est quelque chose qui est propre à l'ensemble des chats. À un certain moment, ça, ça va être le numéro du prochain tatouage à attribuer et on va l'attribuer. Donc comment est-ce qu'on va faire pour l'attribuer ben, c'est très simple. Si je veux affecter, si je veux tatouer les chats, eh bien je vais le tatouer au moment de leur naissance. Donc je peux capturer cet instant là via les constructeurs. Donc via le casque constructeur, qu'est-ce que je vais faire Tatouage. Et eh bien je vais l'attribuer le tatouage courant, tatouage courant. Voilà. Bien sûr, il faut que je modifie ce tatouage courant. Donc je vais en profiter auparavant. Euh, pour incrémenter le tatouage courant. D'accord Très bien. Euh, donc on voit, à hein, chaque fois que je crée un chat, qu'est-ce qu'on fait Le tatouage courant est modifié. Donc, il va cette, ce ce champ-là va prendre la valeur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 à chaque fois qu'on crée un chat, etc. Et à chaque fois qu'on attribue une valeur, donc à chaque fois, 1, bah, ce sera pour le premier chat 2 pour le deuxième. Donc, on va récupérer la valeur de ce, de cette, de ce compteur global, et puis on va l'attribuer, cette valeur, à chacun des chats. D'accord Donc, ça, c'est le tatouage du chat. Le tatouage du chat. Le tatouage du chat. Le tatouage du chat, pardon. Alors que ça, c'est euh, incrémentation euh, du euh, compteur générant les numéros de série. Voilà. Les tatouages. Voilà. D'accord Donc ça, ça devrait fonctionner. Hein Alors on va essayer, on va se créer un petit euh, programme principal. Euh, je vais me créer une classe, je vais l'appeler principal, avec un main dedans, et puis je vais me créer des chats. On va, on va essayer. Donc euh, qu'est-ce que je vais faire pour... Oh. Je vais m'en créer une dizaine, on va bien voir. Et puis euh, je vais me créer un chat. Voilà. Et puis je vais essayer d'afficher les chats pour voir à quoi ils ressemblent. Euh, voilà, j'imprime C. Donc ça devrait fonctionner. On va essayer d'afficher ça. Voilà. OK. Euh, J'ai bien créé 10 chats. Et puis chacun a son propre tatouage. Si j'en crée un onzième, et eh ben il aura le tatouage 11. Donc euh, chaque chat. Hein, sa propriété qui est son numéro de tatouage, son identificateur, son identifiant. Et puis euh, hum, il y a quelque part stocké, ben ça c'est au niveau de l'ensemble, euh, le tatouage courant. Donc j'ai attaché euh, à la classe euh, le, 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 le tatouage, enfin le compteur des, des tatouages. Ok. Maintenant que j'ai fait ça, en fait, je me retrouve avec le même problème qu'il y avait entre les champs et les méthodes d'instance. Quand il y a des champs, on n'aime pas beaucoup utiliser directement les champs, on veut passer par des getters ou des setters, eh bien, on peut le faire aussi, évidemment, et donc on a naturellement une notion de méthodes statique, donc ce sont des méthodes à appliquer sur la classe elle-même. Par exemple, je peux très bien vouloir... Euh, je peux très bien pardon, donner une méthode qui me renvoie le euh, prochain tatouage. Voilà, je peux avoir besoin de connaître ça. Alors, évidemment, c'est quelque chose. Si je veux connaître le prochain tatouage, le prochain tatouage, je vous rappelle, ça n'est pas. Euh, ou, ou le tatouage. Oui, le prochain tatouage à affecter. Prochain tatouage, quatre tatouages courant plutôt. Der... Ou oh, c'est le dernier, voilà, c'est le dernier qui a été attribué. Dernier tatouage attribué. Voilà. Et eh bien euh... évidemment, ça c'est une méthode, c'est une fonction qui n'est pas propre à chaque chat. Hein, C'est pas en interrogeant un chat en particulier que je sais quel sera le dernier numéro de tatouage qui a été attribué. C'est en interrogeant la classe. La classe possède cet attribut qui est le numéro du dernier tatouage attribué. Eh bien, euh, je, si je veux connaître ce numéro, eh bien, il faut que je euh, me crée une méthode qui va bien, un accesseur, un getter qui me permet de l'obtenir. Voilà. D'accord? Donc bien sûr, il y a des méthodes qui vont naturellement euh, qui vont naturellement, euh, qui vont naturellement euh, euh, débarquer euh, pour euh, faire des manipulations au niveau euh, de la classe ou au niveau de l'ensemble des objets. Donc euh, par exemple, comment est-ce que ça s'utilise du coup Donc là, il n'y a rien de bien particulier. Hein. Euh, Je n'ai pas besoin de faire des choses... Euh, euh, particulière ici, ça ne me regarde pas, mais par contre ici hein, je peux avoir besoin, pour des raisons euh, techniques, de connaître euh, tiens, euh, quel est euh, le, le numéro de tatouage qui sera attribué la prochaine fois. Hein bah, si je veux l'afficher ici, eh bien je vais euh, utiliser cette syntaxe-là, donc la notation pointée, mais cette fois vous voyez que je n'utilise plus en préfixe devant le point une instance, mais c'est la classe elle-même. C'est-à-dire ici, je demande à, effectuer, à réaliser l'appel de la méthode de la classe chat. Hein, Ce n'est pas une méthode d'instance. Hein euh, ici, j'aurais très, très bien pu demander à appeler la méthode toString de l'objet C. Ici, je demande à réaliser la méthode getDernierTatouageAttribué sur la classe chat. Le préfixe, c'est une classe. Et je le fais parce que cette méthode-là est une méthode de classe ou une méthode statique, ça veut dire la même chose. Voilà. Donc bien sûr, hein, ça va fonctionner. Je pourrais savoir que le dernier, la dernière valeur attribuée c'était 10. Voilà. Donc euh, De du point de vue de l'extérieur, vous voyez que les classes pe peuvent être vues comme des objets puisque finalement on peut appeler des méthodes sur les classes. donc euh, ça fonctionne de cette manière-là. Alors quelles autres choses on peut, on peut faire en, avec, les, avec les statiques euh, Alors quels sont les autres usages ben, Il y en a plein qu'on peut vouloir faire. Euh, des, on va mettre en statique des tas de fonctions utilitaires. Alors on va en retrouver un peu partout euh, en un peu partout en Java. Euh, par exemple, si je regarde la documentation de Java, je vais retrouver des classes utilitaires. Donc Java API, on va prendre. Allez, mettons 8, ça suffira très bien. Euh, si je regarde, par exemple, certaines classes, certaines classes comportent... Donc maintenant, quand je vais regarder la documentation de certaines classes, je vais pouvoir observer... Qu'il y a dedans, notamment des méthodes de statiques ou pas. Alors on va essayer de regarder. Prenons une classe, par exemple String la documentation de la classe String je vais certainement voir, euh, bah, vous voyez, on le voit ici, hein, par exemple, il y a des méthodes statiques dans la classe String. C'est-à-dire que ce sont des méthodes qui, qui s'appliquent au niveau de String elle-même et pas au niveau des chaînes de caractères des individus. Des instances de chaînes de caractères. Alors qu'est-ce qu'on a comme euh, fonction statique bah, Par exemple, vous voyez, j'ai des fonctions de conversion. Qu'est-ce hein, les... voilà. que ça fait, ça, valueOf bah, C'est euh, si vous me donnez un float, value valueOf sur string, ça va me permettre d'obtenir une string qui représente le float. Donc on voit ce que je veux faire. Hein ce n'est pas quelque chose qui va s'appliquer à une chaîne de caractères. C'est quelque chose qui. Prend un float et le convertit en chaîne de caractère. D'accord Donc, si je l'écris, je vais dans méthode principale, juste pour l'exemple. Si je veux convertir un nombre flottant, donc mettons que j'ai un nombre flottant, float euh, f égale 3,5. Si je veux le convertir en chaîne de caractère, si je veux obtenir une chaîne de caractère qui représente ce flottant f, et eh bien comment est-ce que je le fais ben, Je vais demander à convertir. Qu'est-ce que je vais utiliser Pardon, euh, String, euh, oui. Value of float. Voilà. F. Donc je veux à partir de F obtenir une string. Donc je vais demander à la classe String de d'utiliser la méthode statique valueOf. Pourquoi c'est statique ben, Parce que là j'ai pas encore de string. Justement, j'en veux une. Donc, je veux fabriquer une string à partir de f. Donc, il y a des fonctions utilitaires dans des tas de classes. Par exemple, si je vais. Euh, donc, évidemment, j'ai toutes les fonctions de conversion dans le string, mais j'en ai d'autres, hein, bien sûr. Je peux aller dans la classe math. Alors, la classe mathématique, elle, elle contient, par exemple, beaucoup, et essentiellement que des fonctions statiques. Hein, euh, j'ai des fonctions pour, je sais pas quoi, euh, faire sans doute des additions, ou je ne sais pas quoi. Voilà, hein, addition. Bah, ça prend deux int et ça vous renvoie un int. Voilà, donc ce sont des fonctions statiques. Donc il y a des fonctions statiques dans beaucoup de classes. Euh, J'en reparlerai plus tard quand je parlerai des patterns, mais c'est assez fréquent. Euh, il y a une raison, il y a un usage. Bonjour à tous. Ce petit message vidéo pour vous faire un petit coucou, pour incarner un peu la voix. Que vous entendez euh, offline. Et puis euh, pour vous souhaiter euh, une bonne continuation. Je sais que le confinement n'est pas facile pour tout le monde. Euh, voilà. Donc faites bien attention à vous quand même. Et puis essayez de maintenir un peu d'activité euh, pour les neurones. Allez. Euh, Peut-être à bientôt. En tout cas, j'espère dans la vie réelle.